j'ai des sens bons. Je vais te raconter une anecdote. Même des fois, certains types de propriétés que tu vas visiter, ils sont plus habités. La personne a déjà déménagé, c'est vide, il n'y a pas de papier de toilette, il n'y a rien. Fait que quand tu as ton essuie-tout là, en cas d'urgence, ça aide. OK? Tu sais, je visitais, c'était un couple avec un enfant. Bon, à un moment donné, c'est arrivé à tout le monde. Est-ce qu'on peut utiliser la toilette? OK, pas de trouble. Ils l'ont utilisé. Mon ami, la minute qu'ils sont sortis, la porte était ouverte, tout le monde a failli perdre connaissance. Impossible. Fait que, depuis ce temps-là, j'ai toujours ça dans mon sac lors d'une visite. Je te jure. Des fois, il y a des propriétés, quand elles sont vides, la maison a été préparée pour l'hiver. Surtout quand c'est des saisies où les personnes partent pour longtemps. Hiverniser, ils l'ont préparé pour que les tuyaux ne gèlent pas. La maison doit toujours être chauffée à une bonne température pour que la maison est hivernisée. Il n'y a pas d'eau. Mais la personne de l'empressement, il utilise la toilette. Il s'assoit, il se met. Mais elle est hivernisée, il n'y a pas d'eau. Est-ce que tu n'as pas remarqué que moi, avant, même à la maison, avant d'aller à la toilette, je vais toujours flocher? C'est vrai que même avant de venir aujourd'hui, tu m'as dit est-ce que tu es allé à la toilette avant de venir? Bon, t'as vu? C'est vrai. Exact. Toi, même avant qu'il se déplace, je dis, oh, t'as-tu été à la toilette avant de venir? Oui, c'est vrai. Pas venu faire honte au monde ici.